Oui, avec Madame Nice pour l'AS et aussi quand j'étais petite à l'atelier. Moi, avec Madame Nice, le lundi soir, de 16h30 à 17h30. Non. Non. Oui, à Streetlight. Non. 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 Moi, oui, ça fait 5 ans. Nous pratiquons du hip-hop ici au sein du collège dans le cadre de l'association sportive en fait. Donc ça doit faire 5 ans je pense que je propose de l'UNSS hip-hop aux élèves du collège. Et je dois dire que ça marche plutôt bien. Voilà, il y a pas mal d'inscrits. Une bonne ambiance aussi au sein des cours. Parce que je trouvais que c'était une expérience superbe pendant les vacances. En plus, eh ben, on a tous une passion, en fait, on danse tous. On n'a pas honte de danser devant tout le monde, en fait, et aussi, ben, on apprend des choses. On s'amuse. Moi, c'est parce que j'aimais bien et j'avais voulu participer. Moi, c'est parce que ben, j'aime bien le hip-hop. Enfin, en fait, je voulais faire de la danse et du hip-hop et je voulais apprendre des pas, etc. Moi, parce que en fait, j'aime bien participer à des choses comme ça, faire des shows et tout. Pour le breakdance. Pour apprendre à danser. Bah moi c'est parce que j'adore le hip-hop. En plus là de pouvoir pratiquer avec des danseurs expérimentés, genre j'adore. Je bois leurs paroles quand ils me parlent, j'essaye de tout comprendre et tout, c'est impressionnant. Alors en fait, le projet Vibe 2.0, c'est dans le cadre du dispositif Atelier artistique. Donc en fait, j'ai déposé un projet l'année dernière qu'on a repoussé à cause de la Covid. On devait normalement le faire aux vacances de printemps, puis finalement, donc le chef d'établissement nous a autorisé à ouvrir pendant cette semaine d'automne aux élèves. Le but, c'est vraiment de faire vivre une démarche artistique aux élèves. Et moi, j'aimais bien l'idée qu'ils soient vraiment en immersion totale et dans la création artistique pendant une semaine complète et en contact étroit avec les artistes. Et qu'il y a un lien vraiment fort qui se crée entre les artistes et les élèves, en fait. Ah, c'était super cool, ça passait hyper vite et j'ai appris beaucoup de choses et vraiment c'était trop bien. Ils ont appris beaucoup de choses. Bien. Bien. C'était bien, ils sont sympas, c'était drôle, c'était bien. Ça s'est très bien passé. C'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Bien. Bah moi j'ai trop aimé, genre franchement ça m'a grave appris plein de choses sur le hip-hop, genre des trucs que je connaissais pas et tout. Alors la semaine avec Jimmy et Monsef s'est très très bien passée au niveau des élèves. Ils ont créé vraiment un bon relationnel avec les élèves, pas mal d'interactions, d'échanges. J'ai trouvé les élèves très à l'écoute, très impressionnés aussi par leur carrière vraiment internationale. Et du coup, vraiment une écoute, une attention. Et pour certains élèves, comme une révélation. Un moment de libre, on apprend à danser, on s'ambiance, on n'a pas peur en fait, on n'est pas timide et c'est super cool. La vibe, c'est quand ben on bouge, on s'ambiance. Un ensemble, enfin c'est un groupe qui se soutient. Moi, c'est l'amusement. C'est une raison pour apprendre la danse. Ben, genre la vibe, c'est la bonne ambiance, l'esprit positif de groupe, l'amusement. Alors la vibe, c'est un petit peu ce qu'ils ont vécu cette semaine, c'est-à-dire justement cette atmosphère, cet esprit positif d'entraide, d'écoute, de partage, de pouvoir mener ce projet justement de A à Z avec les difficultés qu'il y a pu y avoir de relations entre les élèves. Ben, finalement, le projet, ça a été fédérateur. Et on a gardé cet esprit positif quand même globalement sur toute la semaine. C'était assez chouette. Les différents styles de hip-hop, Le breakdance, ouais, le breakdance, le lock, la house, le popping. ouais. Après, ils nous ont appris aussi la création, le show, le street show, les pas de base dans la Ouais. danse. Et aussi comment apprendre une chorégraphie. Le popping, le hip-hop, le breakdance, le new style. Du locking. La vague. Après, on a le ralenti. Il y a le graffiti, le DJ, le rap et beatbox. Et alors, ils ont apporté tout l'aspect historique et culturel par rapport au hip-hop en général.
mais plus particulièrement à la danse également, avec une conférence, donc vraiment des images avec les élèves, une conférence très, très bien construite. Je pense que ça, les élèves ont oublié de le dire, mais finalement, ils ont appris beaucoup de connaissances historiques aussi dessus. Et puis aussi sur l'esprit, voilà, les valeurs véhiculées par la culture hip-hop. Ensuite, évidemment, ils ont pu expérimenter par le biais d'initiation différents styles de danse. Bon, je pense qu'ils en ont beaucoup parlé, mais voilà, ils ont traversé, on va dire, 5 styles de danse hip-hop. Et puis ensuite, ils ont quand même aussi appris à comment un spectacle se crée. Voilà, comment on part d'une idée, qu'est-ce que c'est qu'une création artistique en comparaison à un street show ou un show, qu'on retrouve plutôt aussi en hip-hop. Mais du coup, comment monter un projet chorégraphique avec une idée à défendre, un point de vue, une mise en scène, des décors, des costumes, voilà, un projet vraiment de A à Z. C'était hyper cool, c'est passé hyper vite. C'était rigolo. Oh ben, un peu bizarre pour moi. D'habitude, on voit les gens faire et là, c'est nous qui le fait. Bah, le fait d'apprendre des pas, je me suis sentie comme si je faisais déjà de la danse avant. Moi, j'ai l'habitude en même temps. Je suis souvent devant plein de personnes, du coup, ça me fait pas bizarre. Parce qu'en fait, j'en avais jamais vu des vrais. J'ai toujours vu sur Internet. Et là, c'est la première fois que j'en voyais en vrai. Moi, j'ai bien aimé parce que je trouvais ça intéressant. Bah, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, travailler avec des artistes. Parce que bah, moi, je travaille avec une prof de danse, c'est pas pareil, parce que là, c'est des artistes, ils font ça à plein temps, etc. Non, franchement, ça m'a appris beaucoup de choses et j'ai trop aimé. Alors, l'intérêt d'avoir mis les élèves en position d'artiste, c'est ça, en fait, le dispositif atelier artistique, c'est que vraiment, ils passent par l'expérimentation et qu'ils soient plongés dans la création artistique, qu'ils la comprennent et qu'ils puissent la vivre. Je crois que c'est le premier jour qu'on a rencontré les artistes et Jimmy. C'était cool en fait. On a direct, ils nous ont mis à l'aise en fait. On n'a pas vraiment été stressés. Quand on fait le truc de ralenti. Quand on dansait et tout. Un peu tout. Moi perso c'est le breakdance, c'est le popping qu'on fait le ralenti et le robot. Moi je dirais les répétitions générales. Parce que genre, le projet il était bien fini et tout. Les moments que j'ai préférés, c'est justement les moments où on avait comme ça une super entente, une super ambiance et un partage avec l'idée toujours d'inclure les élèves dans la démarche de réflexion. Oui. Pour ceux qui veulent faire du hip-hop, ben, c'est super cool. Ben, c'est bien. Il faut pas s'empêcher d'en faire. Bah, pour ceux qui veulent se lancer, je vous le conseille parce que ça vous aidera à ne pas se tromper aussi parce que faut avoir comment dire. En fait, il y a beaucoup de détails. Bah moi, pour ceux qui veulent se lancer à la danse hip-hop, je vous dis de pas avoir peur des regards des autres et tout, même si vous savez pas danser, voilà, c'est pas grave. Pour Jimmy et Moncef, je vous dis merci pour cet agréable moment avec vous. Et cette semaine. Drôle aussi, on a beaucoup rigolé. Et j'aimerais bien refaire avec vous parce que j'ai adoré ça. Merci de nous avoir appris à un peu se bouger. Moi j'ai envie de dire merci parce que j'ai envie de dire à ceux qui veulent se lancer, bah lancez-vous, genre n'ayez pas peur du regard des autres. Alors bah un petit conseil, faut pas avoir peur de se lancer. C'est vrai que on aurait aimé qu'il y ait plus d'élèves concernés, en tout cas le groupe qui était présent, donc. Ils étaient très très motivés, très investis, donc ça c'est chouette. Et quand on a envie d'arriver à quelque chose de réussi, il faut s'en donner les moyens, il ne faut pas avoir peur, il faut oser tout simplement. Et après un grand merci bien sûr à Jimmy et puis Moncef qui ont été très disponibles et à l'écoute des élèves du collège.